Aujourd'hui, le plan, c'est de finir Zuldesar. Est-ce que ce sera faisable? On verra. Alors, on arrive à un genre de village. Très sympathique, utilement. Salut. Ah ouais, elle est là. Maison de Jol. Mais Talanji, elle est pas là? Je suis bien content de voir le roi et l'article de la mort. Ouais, je m'en doutais. Vu ce qui s'est pris dans la gueule. Il y a quelque chose qui cloche. Mon roi est béni par les lois au-delà de ce que votre espèce peut concevoir, carrément. Ses dons de longue vie, de guérison rapide et de force sont bien supérieurs à ceux de la plupart des trolls. Pourtant, il ne porte de... Il a été empoisonné. Non. Deux de ses plus fidèles soyeurs sont avec lui. Allez voir ce qu'il leur prend. Si longtemps, je m'assurerai que personne ne les dérange. Ça roule. Mais moi, je dirais, il y avait du poison sur la lame. Non. Savez-vous qui je suis? Pas du tout. Jamil. Marc Jamil. Comment va le roi? Je dirais mal, mais... Zandala pour toujours. Nous avons fait bien plus qu'une simple trahison... Qu'une simple blessure. La trahison meurtrit les âmes les plus endurcies. Lol, c'est tout. Il est triste d'avoir été trahi, du coup il meurt. Et sinon, quoi? Les sœurs du roi sont comptées, carrément. Comment va le roi? Il s'accroche à la vie, mais est à bout de force. Cette blessure refuse de se refermer. Sinon, vous avez pensé utiliser de la magie? Vous cherchez maintenant la gravité de la situation. Nous avons besoin de votre aide pour mener la bien opération de guérison qui nous attend. Carrément. Nous pouvons le sauver, mais il faut trois ingrédients. De l'écume provenant de la bouche d'un crabe. Plus il est vieux, mieux ce sera. Niveau antiseptique, on a vu mieux. Bon. Un aiguillon venimeux de poisson gleu, une écaille de brute sort. Il s'agit là de ce crin chastreux de mon peuple. La longévité se cultive comme une fleur des plus rares. Je vois pas le rapport, mais d'accord. Et sinon, la trahison l'a profondément ébranlé, son esprit erre trop bien trop près des abîmes de la mort à mon goût. Du coup, rappelons-lui sa mission et sa colère. J'ai entendu les cris de terreur provenant du village en contrebas des disciples de Zul, qui le pourchasse tourmente les habitants de Zebari, tués. Avec du sang de traître, on va réveiller le diable Zor qui sommeille dans le cœur de Rastaken. Je prie pour que l'on choisisse bien nos alliés. Non, mais bien sûr. Oui, c'est logique. Salut. J'avais jamais imaginé que les disciples de Zul nous trouveraient aussi vite. Pour chasser les habitants de Zebari, ouais, je sais, faut que je les tue. Aidez-moi à sauver les habitants, ceux qui peuvent marcher, rassemblez-les, envoyez-les-moi. Donc aidez-moi, c'est faites-le. Et tu me files des ressources de guerre, oui. La volonté de Rastaken sera faite. Bon, des fois, il y a des missions qui filent sans pièces, donc allez, on va dire que c'est bien. Tiens, crochet dans ta gueule. Il avait tout vu, Zul. Sinon, toi, barre-toi. Barre-toi, fils. Voilà, merci. Et sinon, bah, tu en se traître, hein. Il fonce droit à sa mort, autant lui faire plaisir et le tuer. Oui, je clair. Bon, sinon, est-ce que je peux choper une écaille de brutosaur sans le tuer? Apparemment, on peut. Quoi, recyclage? Et pendant ce temps, ça pêche, tranquille. Ça va, sa mort, hein? On dirait pas. Les mobs rares avec mon nouvel équipement, je les défonce. Allons en profiter. Butons l'horreur à pinces. Boum. Et je chope 37 points d'Azerith. C'est trop génial. Toi, je te secourise. Tu m'as l'air mort. Pas du tout. Sinon, toi, laisse la pêcheuse tranquille. On va dire que c'est la même. Non, parce que tout le village soit con au point de pêcher pendant la bataille... Allez. Les villageois sont sains et saufs. C'est pas bon, ça! Non, tu crois? Non, mais par allénage. Un truc qui est quand même marrant, c'est qu'ils ont... Ils ont abandonné les accents des drainés, mais ils font toujours les accents des trolls. Oh! Je crois pas qu'on l'a testé en vidéo. Prends ça dans ta gueule! S'ils sont en groupe, c'est peut-être bien. Sinon, je suis censé choper un aiguillon venimeux de poisson globe et jouer une quête. Ça va, tranquille? Ça l'a tué. C'était pas le but, mais bon. J'imagine que ça l'a beaucoup vexé d'enlever son aiguillon. Bon, sinon, villageoise de Zebahari, je parie qu'il faut retourner au village, choper des trucs. J'étais dans le village quand Zolani nous a amené le roi, elle a dit qu'il devait... Ça devait rester secret où Zul nous trouverait. Il vous a trouvé quand même, parce qu'il a des visions. Je sais que ce n'est pas l'œuvre du prophète, notre parle-loi a embobiné Zolani. Si on meurt aujourd'hui, c'est à cause de Kiara. Eh ben, je vais tuer Kiara. Tu es là, elle doit payer. C'est moi qui devais dire d'accord. Et c'était pas au village. Tiens, Kiaro, prends ça dans ta gueule, arrête de danser près du feu. Ah, parce qu'en plus, le roi. Tiens, prends ça. Et là, ça aurait été drôle de donner un coup de pied et de l'envoyer dans le feu. Que le roi est là. J'avais remarqué. Bon, sinon, je suis censé récupérer de l'écume de vieux crabe. Et je vois un mob à buter sur le bateau. Est-ce qu'on peut monter facilement sur le bateau? Je sais pas. Tiens, prends ça dans
Du coup, j'ai tout ce qu'il faut, je vais quand même aller voir. Parce que, on est voleur ou on l'est pas, hein. Même si bon, là, techniquement, c'est plutôt assassin. Mais allez. Et donc, bah, Gotaka Talozuli, tu dois mourir. Il file des grosses patates quand même. Mais. Ça va. Bon, s'il a des renforts, ça ira peut-être pas. Mais. En tapant vite et bien. Bon, si on pouvait juste le terminer. Je crois que c'est bon. Vous vous dégagez. Merci. On le loot au boomerang. Faut pas se décamoufler, et puis c'est bon, et ça m'a servi à rien. Merci. Je suis content de l'avoir tué. Bon, en tout cas. Salut Zolani, j'ai tué la traîtresse. Du coup, c'est pas de ta faute. Zolani crash. Bonne samedi, peut bien faire ce qu'il voudra. C'est cool. On ne s'arrêtera pas tant que le sort de Rastaken ne sera pas scellé. Et ben, on va plutôt sceller le sort de Zul, comme ça ce sera réglé. C'est bon. La qualité des soins n'est pas pour beaucoup de la qualité des ingrédients. Vite, donnons-lui de la bave de crabe. Je vous expliquerai leur utilité en temps voulu, d'accord? J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère aussi. Ce serait con que le roi qui doit devenir notre allié meure. Bien, vous m'avez apporté le dernier ingrédient de verbose. Oui, ça fait longtemps, je crois. Enfin, à chaque fois, quand ça fait 30 secondes, ça fait 3 jours. Ce n'est pas trop tôt, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, donc bouge ton cul. Je n'ai pas travaillé dans la précipitation. Vous serez mes mains, apportez-moi le nécessaire, laissez-nous faire, jamais les mois. Pas d'où je serai pas tes mains. J'en avais fini. J'ai un peu dédoublé. Vous allez devoir agir rapidement pour Monsieur Condé. C'est-à-dire? Apportez-moi les épices. C'est-à-dire? Là. Oh, c'est encore un truc où il faut apporter rapidement le bon ingrédient. Approchez. Tiens, voici des épices. Maintenant, la saumure dans le garde-manger. Non. Je vois pas le rapport avec ce qu'on lui a amené, mais... Peut-être une ou deux pincées, apportez-moi mon parchemin. C'est vrai que vous mieux être sûr. Trois pincées, ah oui. Donc aucun des deux. Heureusement qu'on a vérifié. Tiens, voici ton rag... Ou pas. Je n'arrive pas à arrêter l'hémorragie, portez-moi vite la poudre coagulante. Marchons sur le roi au passage. Par contre, pourquoi il se fait cuire un œuf? Va savoir. Voilà, le roi devrait se réveiller. Ouais. Eh ben, c'était simple. Du coup, l'œuf, c'est pour donner à manger au roi quand il se relèvera. Il nous manquait un pendant, c'est clair. Ça nous dépasse tout, s'il est aux mains du roi des morts. Mais où tu vas, toi? Je sais pas pourquoi il faisait moonwalk, mais... Ça a l'air d'avoir échoué. Ma foi, on est loin du résultat que je m'attendais. Oui. Vous ne trouverez pas aussi charmant et avenant que moi. Le remède de Joel a guéri la chat. Ah! Donc ça a marché. C'est juste qu'il a pas envie de revenir. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? La mort! Il suit Buen Samedi comme son nom. Pour beaucoup, il n'y aurait plus aucun espoir, mais il est lié à un autre loi qui donne vie à ses fidèles, résonne le loi des rois. Vous devez l'invoquer et lui demander de récupérer l'âme de Rastaken. J'ai le senti jusqu'à maintenant, passez cette idole et attendez bien sagement, avec un peu de chance, il nous aidera. Sinon, c'est un plaisir. Ah oui, sympa. Eh ben, trouvons la hutte de Marc Jamil. Oh bah ça va, c'était beaucoup plus simple. Alors, sa hutte, bon. Ça m'a l'air d'être un bête parasol, mais c'est sa hutte. Qui êtes-vous pour oser invoquer? Que voulez-vous? Rastaken est blessé, nous n'arrivons pas à le réveiller, nous avons besoin de votre aide. Le petit roi se relèvera. Je n'ai pas encore fini avec lui. Bon, avec l'herbe, je peux pas zoomer bien sur le T-Rex. C'est dommage. Je voulais une bonne vue, mais faut pas rêver. Tu pourrais réveiller les morts. Qu'est-ce que tu me veux? Ce que tu as pris m'appartient. Ça va être aussi simple. Libère-le. Je suis de bonne humeur. Alors ton ami, tu peux le reprendre. D'accord. Mais nous nous. Il n'y a pas eu à le convaincre. Bientôt. Bon. Et c'est à nous de le faire. Ah bah c'était simple. Erezan ne dira rien. Personne n'a demandé de faire un pacte ni rien du tout. Ça me semble très étrange. Mais. Ouais, bah vas-y. Hein. Et moi, je rentre comment? À patte. Mais alors, vu l'obscurité ambiante, je me dis qu'on est toujours dans le monde des esprits. Mais en fait, non. Allez, je vous amène une boule verte. Apparemment, c'est le roi. Je sens encore l'emprise de l'autre côté. Bah, c'était facile. Mon loa m'a ramené dans le monde des vivants. Il y a beaucoup à faire.
Oh, je m'attendais à ce qu'il fasse un discours ou quelque chose. Non, que dalle. Astakan vous adresse un sourire amer. Tu pourrais dire merci. Je sais ce que vous ressentez, nous aurons beaucoup de choses à nous dire avec Rezan quand nous le reverrons. Les Andalari qui se trouvent à bord ont succombé aux machinations de Zul, ont trahi le roi comme lui-même, monté à bord de mon navire et tué tous ceux qui osent se dresser contre leur roi. Alors c'est con, j'y suis monté juste avant. Le prix de la mutinerie, c'est la mort. Ce bateau dans la belle, vous le voyez. Oui, tu viens de m'y envoyer. Blablabla, tuer leur chef, l'implorateur céleste ou la Jeanne. Rezan, récupérez mon navire. Après ça, on s'occupera des usurpateurs qui ont tenté de voler mon trône. Sinon, pour son ami, récupérer des trucs sur le bateau. Pourquoi l'ont-ils amené ici? Zemari est un petit village de pêcheurs, le roi n'a ni guerrier ni puissance alliée. Ici, il doit y avoir une autre raison, monter et mener l'enquête. Je peux faire ça. Y'a personne d'autre qui veut un truc sur le bateau? Non. Eh ben allons-y. Oh, ou encore mieux, on va faire comme si on avait pris une chaloupe, et on va partir à l'abordage directement comme ça. Ça marche bien. Du coup, tu veux un truc qui est là-haut. On va y aller en premier. Ah, c'est tué ou la Jeanne? Eh ben tuons ou la Jeanne. La puissance de Rastakhan est à moi. Vous allez goûter au vent glacial de la défaite. Bah oui, c'est clair. Alors lui, il mériterait qu'on le jette par-dessus bord à la fin. Ce n'est pas possible. On t'a menti, mec. Bon, enfin. Bon, il y a encore du monde. Tu vois rien. Et toi, tu meurs. Il y en a un qui est passé dans le couloir, il a rien vu. Il repasse, mais il voit rien du tout. Piquons la carte. La carte révèle les mouvements des troupes le long de la côte de Zebari au temple de Rezan. D'accord. Apparemment, c'est important. Sinon, est-ce qu'on libère les marins? Vous voulez pas sortir? Non. Ah, mais ils sont pas hostiles. C'est pour ça qu'ils m'attaquaient pas là dans le couloir. Bon. Et... Tokini est là. Libérant Tokini, je disais, qui est taché par les mains. Dans la cale. Qui avait quand même son bouquet en main. Ils m'ont forcé à dire comment les Drakari avaient... C'est bien ce que je me souvenais. C'était bien lui qui était en orfandre. Bon du coup, retournons au village. Hop. Ni vu ni connu. Bon bah du coup, roi Rastakhan, triple mission accomplie. Vous tenez devant le roi. Est-ce qu'il va récupérer son bateau? Est-ce qu'on partira à l'assaut de quelque chose? Je crois avoir compris ce qui se trame, ça n'augure rien de bon pour mon Loa. Oui, ils vont le buter. Ça n'arrivera pas, mon Loa, je le défendrai jusqu'à la mort. Venez, rallions le temple de Rezan, faut immédiatement mettre un terme à cette... Ah, c'est pour ça que Rezan disait... Faites venir Rastakhan ou je sais plus trop quoi. Ou on se verra bientôt, je sais plus. Zandala pour toujours. Et donc ce serpent. Ah. Et c'est où le temple de Rezan? Ce serpent. Mon loi hurle, l'hérésie de Zul est sans borne. Oui, c'est clair. Ma lame jurée, on doit défendre le temple. Vite. C'est où le temple de Rezan? Ah, bah c'est à côté. Ah. C'est le truc qui est là sur le... Mais on... Ah, c'est pas la même chose. Je croyais que c'était ça qu'on avait déjà fait. Bon, enfin. Furieux, Rastakhan fixe le cadavre du prêtre à ses pieds. Zul paiera pour ce crime et ses disciples avec lui. Empêchez-les de nuire, purifiez les idoles, apprenez-leur à respecter la maison royale. S'ils sont morts, ils pourront pas. Et on est venu à deux. Enfin, payer ces traîtres. Faites le ménage, apportez-moi leur tête. Quand vous aurez fini, venez me trouver, l'hôtel de Rezan est au cœur du temple. D'accord. Donc tu vas entrer dans le territoire ennemi, mais sans tuer les ennemis, parce que c'est à moi de le faire. D'accord. Ma vie pour le trône. Allez-y. Oui. Soyez mon courroux. Je dois retrouver mon Loa avant qu'il... Ils vont y aller tous les deux, et ne pas tuer les traîtres, parce que c'est à moi de le faire. Non, mais c'est... Bon du coup... Ouais, butons des connards. Un prochain dans ta gueule. On vire ces trucs-là. Tous. Et... Est-ce qu'on va buter des mogus? Non, parce qu'ils comptent pas. On peut pas libérer le tyrannosaure. Non. Allez, tu peux le faire. Tu pouvais le faire, c'est bien. Je ne vois plus le coffre. Son bâtisseur, juste... Non. Moi, je suis venu chercher un coffre. Mais visiblement, je me suis fait arnaquer. Il manque deux têtes et il y a deux traîtres. Ça tombe bien. Oups. Oui, il y a un mot gros ici. Tu n'es pas en chair, mec.
C'est une statue, non? Les Mogu. Peut-être pas vraiment. Bon, enfin. Décorrompons tout ça. Est-ce que on repasse dans la bonne version de la zone? Eh ben attendez. Mais non, je me suis fait arnaquer encore. Non, bah salut, c'était nouveau, moi. Et étant envoyé un message à ce traître. Avec une tête. Mon loup n'est pas encore mort, à charge pour nous de faire en sorte que c'est dur. Mais la princesse, c'était son loup aussi, elle aurait pu venir nous aider. Non. Razan lutte pour se libérer de ses liens, mais il est hors d'être un... Les Mogu que Zul a amené ici ont érigé un bouclier qui repousse ma magie. Ah. Trouver et tuer les créatures qui se dressent entre mon loup et moi. Ah. Le connard là-bas. Je dois me concentrer pour le combat à venir et subiront le courroux de deux rois avant le coucher du soleil. Pardon? Que l'ennemi tremble en vous voyant. Peut-être que le T-Rex est un roi lui aussi. Non mais du coup, toi, tu dois mourir. Sauf si ça lag. Je suis la puissance incarnée. Est-ce qu'il m'a fait le moindre dégât? Je suis pas sûr. Oui, tempête de joie, c'est clair. Au suivant de ces messieurs. Salut, Tripper Dame, Gaotan. Tu dois mourir. Carrément. Je crois qu'il a même pas entamé mon bouclier. Prends ça dans ta gueule. En tout cas, bah, mission accomplie. La puissance de Razan s'affaiblit, les usurpateurs ont presque accompli leur tâche. J'ai lu beaucoup de choses sur les horreurs de Zul'drak, et j'ai vu mes yeux les résultats de leur secte, et dire que cette hérésie, c'est l'un des miens qu'il a apporté. Ouais, si l'autre il avait pas fait les chroniques de ça, bah, peut-être qu'ils auraient pas su que c'était possible. Dichuka Razan! Oui? Pour toujours. Il va et toi? Cette hérésie. Tu charges. Dichuka Razan! Ouais, tu l'as déjà dit. Bon, ok, visuellement c'est stylé quand même. Je suis coincé, je sais pas dans quoi. Bref. J'ai dit bref, attaque. Vous l'avez prédit, votre venue. Tout se déroule comme il l'avait dit. Ouais, un plan sans accro, c'est clair. Il a juste oublié de prendre une arme. Je n'ai rien sans le loi. Achevez-le. Nova de sang, non. Ah mais il y tient, sa merde. Bon, vas-y. Pas comme si tu faisais mal. Allez, adieu. J'ai joué... Mon roi. Quel bon acteur. Es-tu encore en vie? Je suis venu te libérer de tes chaînes. Il va être corrompu. Peut-être pas. Les disciples, je joue, ne laisseront pas Razan échapper à son sort si facilement. Nous allons devoir nous battre pour sortir d'ici. Est-ce qu'on peut se battre à dos de Razan? Ce serait sympa. Que l'ennemi tremble en vous. Allons-y, petit roi. Semons la mort. Non. Dommage. Il est en surbrillance, moi j'y ai cru. Mais, il va leur apprendre il va à respecter faire le la tout seul. Puissance dans l'Oa. Tel est le destin. Moi je vais le laisser faire, hein. Il se débrouille très bien. C'est intéressant. Par contre, je sais pas où il est passé. Ah, mais du coup, on va être au bon endroit pour les terminer ce truc nul. Bon. C'est pas un chapitre. De nourrir un dinosaure, je m'attends pas à un truc, une histoire extraordinaire. Bon, enfin. Hérétique! Que vos chapitre. Du coup, il nous reste la marche des lois. Ah! Est-ce qu'on va invoquer tous les lois restants et qu'on va péter la gueule à Zul? J'arrive pas à zoomer sur lui, c'est chiant. Tes amis essaient de prendre ta vie. La hache de guerre a été déterrée. Tiens, là. Beaucoup de gens m'ont mis en garde. Même ma propre fille. Mais je n'ai pas écouté. Mais je jure, ah bon. À toi et aux héros de la Horde, que je ne m'arrêterai que quand j'aurai la tête de Zul. Mais là. S'il le fera lui-même, j'en doute. Rejoignez votre Horde, préparez vos troupes et j'en ferai autant pour de mon côté. Ah ouais. Le moment venu, nous frapperons à notre tour ce vil serpent de Zul. Retenez voir Bane. Qui a rien foutu. Mais on va dire qu'il a défendu la base. On va se téléporter à la base, aller parler à Bane, et voir ce qu'il faut faire pour terminer Zul'Dazar. Comment du coup, Bane... Nous n'en attendions vraiment pas tant de vous. Si... Merci d'avoir su faire honneur à la Horde. Nous devons nous souvenir d'où nous venons pour accomplir ce que le destin nous réserve. Je pense que c'est des conneries, mais ouais. En ce moment même, Zul rapatrie l'ensemble de ses troupes vers son bastion du temple du prophète. Rastaka nous fait savoir qu'il rassemblait le reste de ses partisans aux Zokalo. Il peut compter sur l'appui de trois de leurs plus anciens lots. Allons prêter main forte à son armée. D'accord. Nous sommes les bienfaiteurs de ce... Et toi, tu fous rien. Sandalar pour toujours. Blablabla. Tu fous rien. D'accord. Et donc le Zokalo, c'est là-bas.
Ah oui, non mais d'accord. Parce que j'ai l'exploré en allant chercher les trésors, donc je sais qu'il y a une entrée de donjon. J'imagine que Zul, on le bute dans le donjon. Bah non. Bref, allons là-bas en volant. Le pire truc à faire, c'est d'avoir changé sa ceinture, avoir oublié de remettre le parachute, enfin le deltaplane, et de sauter quand même. C'est pas du tout arrivé, non, non. Alors, oui, j'allais dire l'armée, il y en a pour nous aussi. Salut roi, Rastaka. Lorsqu'on traque quelqu'un capable de prédire l'avenir, la plus grande prudence est de rigueur. Ah bon? Peu importe ce que tu fais, il saura que tu le traques. Mais Zul s'efforce de prendre le pouvoir, mais il n'a pas encore occupé la pyramide. Pas parce qu'il a levé le petit doigt pour recruter davantage de partisans, ça m'inquiète plus encore que si ce rat avait osé graver sa sale trône sur les paroles. C'est bien. Nous devons découvrir ce qu'il mijote, rejoindre les disciples de Gonk et aller au temple du prophète. Alors, dans ce cas-là. Je vous préviens, va falloir vous accrocher. Ah non, chevaucher avec la meute. J'allais dire, je vais prendre le trajet rapide. Bon. Frères et sœurs de Zandalar, c'est l'heure de décapiter. Ah bah vraiment, C'est bugué. Mais on va y aller avec tout le monde. Intéressant. Gonk, loi de la chasse, conduis tes serviteurs au temple du prophète. Ah Gonk, c'est le petit, c'est le raptor. Fais sortir nos ennemis et n'épargne personne. Gonk et Pakou vont venir nous aider. Loi des vents, envole-toi. Mais y'a pas. Trouve les hérétiques. Découvre ce qu'ils préparent. Les deux qu'on aidait dans le coin. Qui nous ont forcé à prêter allégeance aux Loa. C'est l'heure de partir en chasse. Pour Zandalar. Oui. Pour la Horde. Encore moins. Mais allez. On arrive. Je suis le maître de la métamorphose. Faites un sort aux fanatiques de... Ouais, tu l'es, quoi. Ok. Je peux faire ça. Ah, mais là. Zul, ce maudit prophète, c'est un vrai serpent. Hein. J'ai toujours pensé qu'il nous révélait qu'une partie de la prophétie. Ouais, ouais. Il nous a fait le même coup à... J'allais dire à Stormwind, mais... Hurlevent. Entrez dans son temple et voyez s'il a consigné ses visions quelque part. Nous devons découvrir les véritables intentions de notre proie avant de sonner l'alali. Et bon, ok. Rien d'autre? Rien d'autre. Alors, semons la destruction. Enfin, la mort, surtout. Oui, semons la destruction. Apparemment, il y aurait un truc... Ah! Il a écrit 3 bouquins, apparemment, Zul. On va prenons le 3e tome. D'ici, écoutez-moi, si notre roi Rastaka et son dieu Rezan ne sont plus d'aucune utilité, c'est à nous qu'il incombe de les remplacer. Ah oui. Au sommet du mont Mugamba se trouve une cité antique nommée Ataldazar. Nous y trouverons un roi digne de ce nom d'Azar en personne. Il va mettre un mort-vivant comme roi, ou un truc dans le genre. Tiens. Bon, sinon, je suis censé aller là-dedans pour trouver... le tome 2. Ça va, je vous dérange pas en dansant. Voilà, fallait pas danser, fallait se battre. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Lors de mon voyage en Pandarie, nous avons tenté d'effectuer un rituel antique et interdit, nous avons réveillé les chaînes... Ah, ça je m'en souviens. Ce faisant, j'ai découvert la méthode ancestrale permettant de ramener à la vie un roi du temps jadis, et j'ai appris à le contrôler. À la contrôler. Mais sûrement à le contrôler aussi. Et boum, oui. Cachons-nous. Voilà notre chance. Voler mes enfants, massacrer ces hérétiques. Oh. C'est peut-être pour ça officiellement qu'on cassait les balistes. Bon, enfin. Et donc, mes voyages m'ont conduit bien loin au cours de ces dernières années. J'ai vu Drakkari, leur fier empire du Nord, succomber à la puissance du fléau. Ils ont anéanti leur dieu à l'aide de rituels demi-oubliés pour exploiter la puissance dérobée à leur propre fin. D'accord, donc c'est bien, je crois. Zul est tombé bien bas, s'est contre-suscité d'Azar en personne. Il a renié tout ce qu'il faisait de lui en disant carrément. Pour la meute. Okay. Et ben allons dire au roi, j'imagine que tout est fini. Ah non, à Ral. Salut. Lotti, pourquoi tu as mis autant de temps? Parce qu'on faisait bien notre boulot. Je vais t'empaler sur tes propres défenses. Maintenant que ces balises sont hors d'état de nuire, Pakou va pouvoir s'en donner à cœur joie, blablabla. Rezan et Rastaka ne nous ont pas attendus, ils escaladent la montagne pour atteindre Ataldazar. Faut qu'on les rattrape. Choisissez ok. Bon Loa. Bah allons-y. Les troupes de Zul, elles doivent être nombreuses entre... Il y a 3 places sur le ptérodactyle. Trop fort. Il faut qu'on leur règle leur compte. Et donc j'imagine on va atterrir là où il y a le trajet rapide. Que j'avais déjà découvert. Mais tant pis. Pétons des gueules. Il manque Rezan et Rastakan. Quoi? Pardon? Ah bon? De quoi tu parles? Ils sont presque aux portes d'Ataldazar. Faut qu'on les rattrape, et vite! Oui? Du coup, comment tu sais qu'ils sont manquants?
Ben voilà, ils étaient déjà au bout. Mais du coup, l'armée ennemie les suivait. Bon. Non, bah du coup, c'est bien, on a gagné. Je parle à qui ? À Rezan, c'est ça. Je me gorgerai du temps, du jour, avant de tomber, de la nuit. Alors, si tu me demandes de faire le donjon, non. Parce que là, normalement, il y avait une entrée de donjon. Venez, attendons-nous. Notre pro n'a ni la force ni les effectifs pour protéger cette entrée. Bah marchons sur Atal là déjà. Ah, pour le débloquer, c'est peut-être pas un donjon. Ça devient peut-être un donjon après. Ah ouais, oui, oui, oui. Tu peux prendre des... Comment ça s'appelle? C'était Gozor, peut-être? Non, je sais pas. Je me souviens plus. Zankilo. C'est peut-être plutôt ça. C'était un piège, c'est ça? Tes visions. Il y a intérêt qu'elles soient vraies. Oh, hérétique. Silo est devenu à moitié araignée en butant le loi araignée. Est-ce que Zul va devenir à moitié T-Rex en butant Rezan? Voilà, le loi de... De quoi déjà? Ce foutage de gueule. Surveille ton langage, traître. Rezan, tu ne comprends rien? Je ne suis pas ton sujet et ta place. Elle n'est pas parmi les rois. Oh, il va énerver, il va faire une connerie, Rezan. Il va tomber dans un piège. Classique. Alors là, je doute qu'on puisse arriver à temps pour le sauver. Ouais, voilà. Adieu, Rezan. Elle est révolue. Ah oui. Ça lui permet de ressusciter des squelettes. Il est parti. Ah oui, là c'est clair. Cette chose n'est pas un loi. Ah non, ça c'est clair. C'est comme si on m'avait arraché l'âme du corps. Cassons-nous. Repliez-vous. On reprendra le combat un autre jour. Dans le donjon. Est-ce qu'ils vont faire pareil à Gonk? Ils s'en foutent de Gonk, il est pas assez puissant. Ah, ça c'est considéré comme à l'abri. D'accord. Il est parti. File-moi le pourpoint, j'en bannis. On a fait les quêtes de Zul Desar. J'ai commis une grave erreur, maintenant Rezan est mort, elle est mon propre pouvoir, ne tient plus qu'un fil. La bonne somme viendra lui-même me chercher. Ah, Talanji, faut qu'elle sache ce qui s'est passé ici, allez la voir, dites-lui tout, prêtez-lui main forte. Pour l'heure, il faut rassembler nos troupes et me lancer aux trousses de Zul. Ouais, vas-y, fais ça. Et voyons si Talanji nous envoie à Nazmir ou à Voldoun. Au pire, si elle nous envoie nulle part, je pense qu'on ira à Nazmir. Ben, du coup, ben, Talanji. Ah. Carte de reconnaissance. Ah bah oui, c'est ça, c'est pour partir dans une autre région. Il y a beaucoup à faire. Ouh, Rezan est mort. Je croyais que c'était ton lot aussi. Si l'autre s'en est aperçu, peut-être que toi aussi. Non. Non, c'est juste parce que Rastakhan, il l'a vu mourir. C'est tout. D'accord. Bon, lançons une reconnaissance vers, bah du coup, Nazmir, comme j'ai dit. Parce que personne ne m'en voit. Enfin, le jeu ne décide pas d'où on voit. Donc si on a le choix, moi je suis là-bas. Les trolls de sang qui sévissent dans les marais maudites de Nazmir menacent d'anéantir Zul Desar. Or, la princesse compte. Elle va faire quelque chose, mais dans la deuxième région. Les marais de Nazmir sont la plus grande menace qui pèse actuellement sur le peuple. Je me réjouis que vous ayez accepté de m'aider. Ah, ou alors on est censé avoir tout lancé en même temps. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue aider pendant la bataille de Zul Desar. Il faut anéantir les trolls de sang qui sévissent sur Nazmir. Oui, j'avais compris. Rokan et les sombres lances s'apprêtent à partir. Je vais terminer mes préparatifs. Rejoignez Rokan, partez pour Nazmir. Je vous retrouverai sur place. D'accord. J'avais compris. Mais en tout cas. On verra ça au prochain épisode. Pouce bleu si toi aussi tu échoues à sauver les lois. Et du coup, bah à très bientôt pour la deuxième région de Zandalar. Allez, salut!